что касается визита в Саудовскую Аравию, en ce qui concerne cette visite en Arabie Saoudite, nous y attachons une grande importance. C'est en grande partie une réponse à la visite du roi d'Arabie Saoudite, gardien des deux saintes mosquées en Russie. C'était sa première visite, une visite historique. Nous la considérons comme historique. Et c'est ce qu'elle a vraiment été. Une autre chose importante est à noter. À l'époque soviétique, les relations entre l'Arabie saoudite et l'Union soviétique étaient à un niveau assez bas. Ces dernières années, la qualité de nos relations a radicalement changé. Nous considérons l'Arabie saoudite comme un pays ami. J'ai de très bonnes relations avec le roi comme avec le prince héritier. Nos relations se développent dans quasiment tous les domaines. Au centre des discussions, la situation en Syrie, mais surtout le pétrole et les tensions entre Riyad et Téhéran. Tensions aggravées depuis les attaques ayant visé des installations pétrolières saoudiennes en septembre et revendiquées par les Houthis du Yémen. L'Arabie saoudite et les États-Unis, puis l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont accusé l'Iran d'être responsable de ces frappes aériennes. Accusation niée par Téhéran. De son côté, la Russie a appelé la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives et se pose en médiateur. Si certains estiment que saisir des pétroliers et attaquer des infrastructures pétrolières peut influer sur la coopération entre la Russie et nos amis arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, ou saper notre collaboration dans le cadre de l'OPEP+, ils se trompent tous grossièrement. Pour qu'il y ait une compréhension mutuelle, pour comprendre ces nuances, subtilités et problématiques, il est nécessaire de mener un dialogue. Aucun problème ne peut être résolu sans dialogue. Par conséquent, je pense que je peux partager les préoccupations des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Mais seuls les États concernés peuvent résoudre les problèmes qui les opposent. Quant à la Russie, nous ferons tout notre possible pour créer les conditions nécessaires à une telle dynamique positive. Étant donné que la Russie a de bonnes relations avec l'Iran et de très bonnes relations avec nos amis arabes, côté volet économique, environ 30 accords et contrats doivent être signés dans le cadre de cette visite, selon le Kremlin. Après son voyage en Arabie saoudite, Vladimir Poutine se rendra mardi aux Émirats arabes unis. Une jeune israélienne très lourdement condamnée par la justice russe pour avoir été en possession de quelques grammes de cannabis. Oui, l'affaire vient de se compliquer considérablement pour Naama Issachar. La jeune israélo-américaine de 25 ans a été condamnée pour contrebande en Russie à 7 ans et demi de prison. Elle avait été arrêtée en avril dernier à l'aéroport de Moscou et elle transportait sur elle moins de 10 grammes de cannabis. Elle a d'abord été arrêtée pour possession justement de cannabis, un délit mineur qui lui aurait valu un mois de prison en Russie. Mais un mois plus tard, les charges ont été requalifiées en contrebande. La justice avait requis 8 ans d'emprisonnement pour la jeune femme, mais elle a déjà passé 6 mois en prison. Je vous propose d'écouter sa sœur depuis New York qui a été interviewée par nos confrères de la chaîne anglophone i24 News. Completely unfair and unjust and... Le procès dure depuis 6 mois. Il est complètement injuste et arbitraire. À notre avis, ceci est juste une blague. C'est juste pour le spectacle. Et en réalité, ils la retiennent en otage parce qu'ils veulent obtenir autre chose en échange, qu'il s'agisse de cet Alexei ou autre. Mais ceci était une affaire et juste un procès ou quoi que ce soit. Et ma sœur en paie le prix parce que oui, la Russie veut quelque chose d'Israël ou des États-Unis et c'est elle qui en souffre. Oui, sa famille dit donc que ce serait un procès finalement politique parce qu'on apprend aussi aujourd'hui que la Russie avait effectivement demandé à plusieurs reprises d'échanger un prisonnier russe en prison en Israël. Un échange demandé notamment à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou et donc une demande rejetée. Le prisonnier demandé par la Russie, c'est Alexei Bourkov. C'est un spécialiste de l'informatique, un hacker. Il a été arrêté en 2015 à la demande d'Interpol sur des soupçons de cyberattaque.
cyberattaque. Alexei Bourkov est aussi recherché aux États-Unis, mais cette fois pour fraude à la carte bancaire. Il est soupçonné d'avoir volé des millions de dollars à des consommateurs américains. L'échange de prisonniers avait été demandé par la famille d'Alexei Bourkov, qui était entrée directement en contact ces dernières semaines avec la famille de Naama Issachar. La Cour suprême israélienne avait cependant déjà donné l'autorisation d'extradition, son accord pour extrader ce prisonnier donc russe dans les prisons israéliennes vers les États-Unis. Donc Benjamin Netanyahou a réagi cependant à la sentence prononcée contre Naama Issachar. Pour lui, la sentence que demande l'accusation n'est pas proportionnée. Il dit qu'Israël va demander un allègement. La sœur de Naama Issachar avait un message pour les autorités israéliennes. Je vous propose de l'écouter. C'est très dur pour nous. Ma sœur est en train de s'effondrer. Ma mère était avec elle dans la salle d'audience et elle était complètement bouleversée. La prochaine étape, c'est de continuer à implorer Bibi Netanyahou et tous les politiciens qui peuvent l'aider à sortir de là. Qu'il s'agisse d'un échange ou bien de ramener son cas devant la justice, il faut faire quelque chose. Ma sœur ne peut pas rester là-bas pendant 7 ans. Mais 7 ans, c'est ridicule. Maïcha Latroupi, merci pour toutes ces précisions. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette affaire avec vous, Niv Adi, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes spécialiste de sécurité, de cybersécurité notamment. Alors, d'après certaines sources israéliennes, la sévérité de la sentence prononcée à l'encontre de cette jeune Israélienne serait due donc au refus des autorités israéliennes de libérer un pirate informatique russe. C'est ce qu'a expliqué Marie-Charlotte Roupi. Est-ce que cela vous paraît être crédible? Est-ce que véritablement ce hacker russe représente une importance réelle pour les autorités de son pays? Oui, je pense qu'Israël est ici entre deux monstres, je dirais, un peu fous. D'abord, Poutine, d'un côté, qui se permet en ce moment, grâce aux affaires, je dirais, internationales et grâce aux affaires stratégiques, il se permet de demander à Israël, et puis il a demandé cela à plusieurs reprises, à Netanyahou et à Shaked, quand elle était ministre de la Justice. Donc, il se permet aujourd'hui de faire quelque chose qui est complètement contre, je dirais, la justice internationale, mais il se permet de demander aujourd'hui avec férocité ce Bourkov, qui est un agent, un hacker. On parle aux États-Unis de millions de dollars de fraude, mais c'est aussi le circuit, je dirais, de hackers qui puissent plus tard, je dirais, parler aux États-Unis de leurs affaires, de ce qu'il faisait pour la Russie. C'est un point important, on y va dire. Ce n'est pas simplement un pirate informatique qui agissait pour son propre compte, mais apparemment, eh bien, il agissait également pour le compte des autorités de son pays, la Russie. Oui, je crois que Bourkov, comme d'autres qui sont arrêtés d'ailleurs et dont on n'entend pas parler ces dernières années, il y a aujourd'hui des hackers qui sont détenus comme des terroristes, parce que les hackers aujourd'hui sont les nouveaux terroristes qui menacent les pays. Et donc ce Bourkov, la Russie ne voudrait pas qu'il parle aux États-Unis de toute manière et demande à Israël, son soi-disant allié, de coopérer, de le passer en Russie, ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui en Israël, quand on regarde la justice israélienne. Oui. Nivadi, dernière question. Est-ce que cette affaire risque de provoquer un trouble, voire même de remettre en question la coopération sécuritaire entre Jérusalem et Moscou, notamment concernant la Syrie? On sait qu'elle est très importante, cette coopération sécuritaire. Alors, on a vu Netanyahou parler aujourd'hui de Naama Issachar avant ce dernier événement dans ce procès. Donc, on ne voit pas tous les jours un premier ministre d'un pays parler d'une personne qui est emprisonnée quelque part dans le monde pour quelques grammes de hashish. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui ici une grande affaire. Mm-hmm. Est-ce qu'Israël est prêt à, à avoir des troubles stratégiques de coopération pour cela? Je ne pense pas. On essaye aujourd'hui, dans le calme, de trouver, de régler tout cela en silence, car Israël est entre les États-Unis et la Russie et dépend des deux grandes puissances de toute façon. Merci beaucoup, Niv. Parce que le Venezuela refuse la visite, l'entrée du président élu du Guatemala. Le président élu du Guatemala a déclaré qu'il était empêché samedi d'entrer au Venezuela où il avait prévu de rencontrer le chef de l'opposition, Juan Guaido.
qui cherche à renverser le président socialiste Nicolas Maduro. Les responsables ont défendu leur action, affirmant que le nouveau chef du Guatemala, Alejandro Giammattei, avait été refoulé parce qu'il avait rompu avec le protocole normal suivi par les chefs d'État. Le vol commercial transportant Giammattei, qui entre en fonction au Guatemala le 14 janvier, hein, après les élections qui se sont tenues là-bas, a atterri tôt le matin à l'aéroport de Caracas, mais sa visite s'y est terminée là. Ils ne nous ont pas permis d'entrer au Venezuela, a déclaré Giammattei dans une vidéo publiée sur Twitter. Ils nous ont escortés jusqu'à la porte et nous ont mis dans l'avion de retour. Giammattei exprime son soutien à Guaido dans la vidéo filmée de l'avion sur le point de partir. Guaido, qui s'est rendu à l'aéroport pour saluer le dirigeant étranger, a lancé une campagne au début de cette année avec le soutien de plus de 50 pays pour déloger Maduro. Les critiques accusent Maduro d'avoir volé, dans le fond, la dernière élection, hein, avec une élection frauduleuse, tout en surveillant l'effondrement économique et social de la nation pétrolière, qui, dans le passé, était très riche. Dans une autre vidéo, Giammattei a déclaré qu'il prévoyait d'inviter Guaido à son investiture au Guatemala et de faire pression pour le retour du Venezuela à la démocratie, y compris la libération des prisonniers politiques et le déclenchement immédiat des élections. C'est ça. In this administration, we believe that every child, born and unborn, is made in the holy image of God. Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. My ministers will work to implement new regimes for fisheries, agriculture and trade, seizing the opportunities that arise from leaving the European Union. An immigration bill ending free movement will lay the foundation for a fair, modern and global immigration system. My government remains committed to ensuring that resident European citizens who have built their lives in and contributed so much to the United Kingdom have the right to remain. The bill will include measures that reinforce this commitment. Steps will be taken to provide certainty, stability and new opportunities for the financial services and legal sectors. As the United Kingdom leaves the European Union, my government will ensure that it continues to play a leading role in global affairs, defending its interests and promoting its values. En fait, le principe de votre mouvement, c'est effectivement la non-violence, hein, c'est ça, c'est ce que vous avez décidé de faire. Oui, totalement. On reste dans une stratégie qui est non-violente, qui est une stratégie qui est affirmée, qui est affichée, qui est revendiquée par notre mouvement. Notamment, là, on est en face de CRS, du coup, toute la journée. Ces CRS ne sont, sont pas des ennemis, ils reçoivent des ordres. Ce n'est pas eux qu'il faut mettre en cause, mais par contre, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer, les ordres qu'ils reçoivent, on voit très bien à quoi ils servent. Tous les ordres qu'ils ont reçus pendant la semaine servent à diviser pour nous faire passer pour nous, on n'est pas réprimés. Les gilets jaunes, eux, sont réprimés violemment. Et donc, on voit très bien la technique. Et là, très clairement, nous coincer sur le pont, c'est l'objectif, c'est de ne surtout pas faire en sorte qu'on puisse converger d'une quelconque manière avec les gilets jaunes. Bon, je vais vous dire un mot d'un mouvement qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Extinction Rebellion. Il m'impressionne par sa capacité à être un mouvement d'action, qui est le rêve pour un insoumis, hein, c'est ça qu'on voulait faire et qu'on veut faire de notre mouvement insoumis. Et ensuite par sa capacité à, avec finalement peu de monde, à mettre vraiment en exergue, en lumière, un problème de fond, qui est le problème du changement climatique, et de l'action qu'il est nécessaire de faire, non pas bientôt, mais maintenant, pour inverser le cours de l'histoire, et en tout cas, des politiques publiques. Alors, je sais que c'est un mouvement qui a été critiqué par des personnalités de l'ancienne et de la vieille gauche, mais c'est une erreur de leur part, parce que il y a une grande capacité
d'auto-organisation qui est présent avec Extinction Rebellion, et moi je vous invite plutôt à vous joindre à eux. Hein. Alors vous joindre à eux, ça veut dire vous remballer les drapeaux, vous remballer tout ce qui... Il ne s'agit pas de participer en essayant d'imposer une couleur politique, tout ça serait absurde. Mais comme on l'a fait avec les Gilets jaunes, de se mettre au service de l'action en y participant. Parce que voyez-vous, ce qui est grave, c'est que si les actions s'arrêtent, déjà que les gouvernements ne font pas grand-chose, alors là, pour le coup, ils ne feront plus rien. Et ils ne se sentiront même pas obligés de rendre des comptes ou de dire où ils en sont et ce qu'ils comptent faire pour la suite. Éric Zemmour, si ça vous gêne que je vous pose des questions, vous me dites tout de suite. Mais parce que si déjà je m'interromps et que vous m'interrompez, alors là, c'est sans fin. En même temps, c'est mon boulot. L'islam, non, pas de m'interrompre. Oui. L'islam et l'islamisme, c'est mon boulot aussi. Je suis désolée. C'était des synonymes au 19e siècle. Les Chateaubriand, Renan, l'emploi de façon indifférenciée. La même signification. Exactement. L'islamisme ne voulait pas dire islam politique. L'islamisme voulait dire l'islam. C'est la même chose. Ne voulait pas dire islam politique. Non, mais depuis l'université. À l'époque, on était moins hypocrite. On savait que l'islam était politique par essence. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, on a inventé un faux distinguo. Vous pensez qu'à l'époque, ils étaient moins hypocrites? Ah oui, ils étaient moins hypocrites que nous. Vraiment? Ah oui, vraiment. Que notre époque, oui. Encore une fois, il faut pas parler en termes d'individuel, il faut parler en termes de masse. Sinon, ce n'est pas intéressant. Il y a toujours. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Zemmour à l'époque. Bah, il y en a toujours eu de Zemmour, grâce à Dieu. On était là. D'ailleurs, j'étais en terre arabo-musulmane. Vous voyez, donc c'est quelque chose que je connais. Messieurs, maintenant, j'aimerais avoir très concrètement en terre votre avis. En terre arabo-musulmane. Éric Zemmour, on sait ce que c'est de vivre en tant que dhimmi. On sait ce que c'est que vivre en tant que dhimmi, c'est-à-dire dans un système d'apartheid au sein du régime musulman quand on n'est pas musulman. Mais c'est bizarre parce que d'autres ancêtres de d'autres juifs ont vécu en Europe et savent très bien ce qu'a généré l'Europe à leur égard. Mohamed Tifaoui, Éric Zemmour. La haine que vous avez. Mais j'ai aucune haine, monsieur. Mohamed Tifaoui, Éric Zemmour, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse parler d'un cas concret. Il n'y a pas de haine. J'aimerais qu'on puisse parler d'un cas concret. Je vous en prie. Pour poursuivre la conversation. Cas concret, vendredi, conseil régional en Bourgogne, on voit Julien Odoul qui invective une femme qui entre avec le voile. Qu'est-ce que dit la loi à propos du voile? Concrètement, avait-elle le droit ou pas de porter ce voile? Sujet Emma Guessel et on en parle dans un instant. Il existe différents types de voiles. Tout d'abord, le foulard, qui couvre uniquement la tête et les cheveux, appelé le hijab. Celui-ci est autorisé dans tous les lieux publics, à l'exception des écoles, collèges et lycées publics. Il est en revanche autorisé à l'université. Il y a ensuite la burqa, qui voile l'intégralité du visage, ainsi que le niqab, qui ne dévoile que les yeux de la femme. Ces deux types de voiles sont interdits dans tous les espaces publics. La loi du 11 octobre 2010 stipule que dissimuler son visage peut constituer un danger pour la sécurité publique. En cas de non-respect de cette loi, 150 euros d'amende sont requis. Concernant le port du foulard sur le lieu de travail, les fonctionnaires se doivent de respecter une stricte neutralité. En revanche, pour les entreprises privées, la loi est plus floue. La question se traite alors au cas par cas et peut être statuée par les plus hautes juridictions françaises, comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Mohamed Tifaoui, est-ce que cette femme devait être là? Alors, je vais vous dire. Ou est-ce que c'est de la provocation? Quand on est français, quand on est républicain, on a une foi en l'état de droit. Et en l'espèce, le droit ne lui interdisait pas d'être là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on veut, y compris appliquer la loi, la République, vous voyez, c'est le regard, peut-être l'aspiration profonde que j'ai pour la France, parce que je ne rabaisse pas la France à quelque chose, je dirais, un gang. C'est une grande nation. Le comportement de cet élu de l'extrême droite est un comportement indigne. Parce que, y compris quand les gens sont en faute, la République n'humilie pas, n'agresse pas. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu et ce qu'on a lu par la suite dans des articles de presse, je les crois, j'y étais pas, c'est que cette dame qui est voilée, vous savez, j'ai même des procès pour avoir dénoncé le voile. Et j'ai même des menaces de procès pour avoir dénoncé le voile. Je ne suis pas soupçonnable d'avoir une quelconque sympathie pour le voile et pour le sujet. Je vous ai rien dit. En revanche, j'ai une foi profonde dans le droit. Cette dame, quand elle est partie aux toilettes, elle a été poursuivie et on lui a dit « Madame, quand Poutine sera là, vous serez obligée de dégager ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. En tout cas, une élue de l'extrême droite lui a dit ça. Et ce comportement où on jette en pâture une dame devant des enfants, quel beau message on envoie à ses enfants. Vous voyez, la République, oui, elle n'agresse pas. Elle n'humilie pas, y compris des délinquants. Parce que la République ne se met jamais
au niveau de ce qu'elle est censée remettre sur le droit chemin. Alors, sachant qu'elle avait le droit, encore une fois, au regard, au regard du vide juridique, elle avait le droit d'être habillée. Éric Zemmour, qui est humilié dans cette histoire ? Vous avez raison sur un point. Elle avait le droit. Tout à fait. Je ne disconviens nullement. C'est pour ça que je vous dis que la République n'est plus la République. Parce que la République a été déshabillée par ce qu'on appelle l'état de droit et que moi j'appelle le gouvernement des juges. Elle a été déshabillée par l'idéologie droite de l'homiste. Elle a été déshabillée par la société des individus qui a détruit la République. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. La République n'est plus la République. Vous savez, quand vous dites la République n'humilie pas et la République ne moleste pas, ça me fait rire. Allez dire ça aux Vendéens. Allez dire ça aux curés qui ont été persécutés en 1900 et jusqu'en 1905. Allez leur dire que la République n'humilie pas et ne moleste pas. La République a été impitoyable. Je vais vous le dire à vous. Non, je veux finir. Non, mais je vais vous le dire à vous. Je veux finir, monsieur Sifaoui. Soyez gentil. Une minute. La République a été impitoyable avec les religions et avec la religion catholique. Et c'est justement parce qu'elle est faible avec l'islam que nous avons ces problèmes-là. Parce qu'en vérité, quand vous me dites c'est triste, c'est devant les enfants, mais ça c'est du sentimentalisme. Vous êtes fier, pas, oui. Non, mais vous êtes fier. Je suis. Ouais, moi j'ai du sentimentalisme. Moi je vais vous dire. Moi j'ai des sentiments. Moi, je vais vous dire. Contrairement à vous, j'ai des sentiments. Oui, mais moi je le revendique. Non. Vous ne l'avez pas, vous. Non, j'ai pas de sentiments. Voilà, moi j'en ai. J'ai pas de sentiments. Moi j'en ai. Pour je suis républicain, j'ai des sentiments. Je n'ai pas de sentiments pour des gens qui imposent leur loi, leur idéologie, leur système juridico-politique et qui sont en vérité, qui ont un comportement de colonisateur. Si des jeunes enfants, si des jeunes juifs veulent de façon discrète avoir la kippa dans la rue, on invite à continuer à le faire. Néanmoins, dans cette enceinte laïque et républicaine qu'est l'Assemblée nationale, que nous respecterons, vous n'allez pas porter la kippa tout de même. C'est une tentation, car je trouve que une belle réaction de la France serait, par exemple, voyez, à Marseille. Je sais pas du tout, je comprends la crainte, hein, c'est parce que vous savez, il faut jamais parler à la place des gens qui ont peur. Mais franchement, ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de montrer au contraire sa détermination. Si peut-être dans le match de l'OM, beaucoup de gens ont porté la kippa, ça serait bien à Marseille, ça serait une signification. Et même pendant la séance de questions au gouvernement. Si c'est interdit au règlement, voilà. Si c'est le tout, c'est une question de règlement. Si c'est pas interdit, c'est un clin d'œil. Et si jamais c'est interdit, alors on va pas aller contre le règlement parce qu'on est des parlementaires pour respecter les règlements et les lois, on va dire comme ça. Leur loi, leur idéologie, leur système juridico-politique et qui sont en vérité qui ont un comportement de colonisateurs. Alors c'est ainsi que les choses se passent. Alors c'est là-dedans qu'on doit trouver sa place. Nous sommes toutes et tous les mêmes bons à rien. Nous croyons tout savoir et nous ne voyons rien. Où sont les adultes dont on me parlait quand j'étais petit? Partout où mon regard se pose, je ne vois que de grands enfants. Ça veut décrocher le pompon, avoir un trou gratuit, déguisé en gendarme, en héros ou en truand. Tout ça vouloir devenir calife à la place du calife. Et ceux qui prétendent le contraire sont encore les plus à craindre. Les beaux discours, les slogans, c'est tellement persuasif qu'avec notre soutien ils nous détruisent sans nous contraindre. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Le troupeau est perdu et le berger est ignoble. Ne rejoignez pas les loups, ne soyez pas leur proie, car le temps est venu de vendre.